Salut tout le monde, c'est LMFLX et on se retrouve pour le quatrième épisode de Feed the Beast Lite 3. Et donc, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas sorti de vidéo, à part le vlog que j'ai sorti il y a pas longtemps. Je sais pas, enfin je dis ça parce que je sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne cette vidéo. Mais dans tous les cas, c'est soit le jour où j'ai tourné, soit le lendemain. Bref, ça on s'en fiche un petit peu. Du coup, la dernière fois, nous avions fait, il me semble, ce système à eau, tout ça. Enfin, voilà, vous voyez bien ce qu'on a. Du coup, dans cet épisode, j'ai prévu de faire une ou sûrement plusieurs wind turbines, qui sont les éoliennes mécanismes, en gros, qui demandent de beaucoup d'osmium, surtout. Enfin, je sais plus, de l'osmium. Il y a besoin de fer dans un metallurgic infuser avec de la redstone et tout ça, tout ça. Et pour ça, il faut ça, de l'or, machin, machin. Donc on va faire ça sans tarder plus que ça. Du coup, pour commencer, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'on ait 5 enriched, voilà. Enriched taille, machin truc. Alloy, voilà. Parce que j'ai un putain d'accent anglais, vous avez vu ça? Je t'ai pas du tout. Alors, du coup, il va nous falloir du fer. Ça, on en amasse. Hop, on prend de la redstone. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre 5. Voilà. J'espère que le son des machines sont pas trop fort. Ça devrait aller, je pense. Donc il y a une mise à jour du mode pack. Du coup, j'espère qu'il va pas avoir de problème niveau mode. Mais pour l'instant, ça a l'air de se présenter plutôt pas mal. Bref, alors... il faut ça. Ensuite, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 or. Voilà. Ensuite, il nous faut de la redstone. 8 redstone. Look. Voilà. Ensuite, il nous faut... il faut, pour faire ce truc, il nous faut un osmium et bien sûr une redstone. Toc. Alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire nos trucs machin chose. Truc machin chose, bien sûr. Hop. Hop. Alors c'est comment déjà? Osmium, c'est vraiment pas cher comme truc. Après, je sais plus trop si ça rapporte beaucoup ou pas du tout. On va bien voir. Voilà, nous avons notre première wind turbine. Voilà, alors où est-ce qu'on peut mettre ça? On va raser quelques arbres là et on va faire. On fera nos petits champs d'éoliennes avec ma petite hache en pierre tout pourrie. Hop, on va couper ça. Hop. Et le dernier, ça suffira après, je pense. Voilà. Attendre que ce truc se pète. Bref, celle-là, on va la mettre ici. Ouais, c'est un truc assez grand. Avec le petit bruit de. Je disais le bruit d'éoliennes, voilà, de vent. Alors ça produit un RF à peu près, enfin un KRF en 2 secondes, 3 secondes. J'ai l'impression. Je dis peut-être de la merde, hein. Enfin même sûrement. Alors on va les brancher à notre réseau et on va se faire un meilleur truc pour stocker l'énergie parce que sinon la production ne sera pas très efficace. Et puis ce machin là, on va le laisser là si jamais on a besoin d'un support électrique, enfin d'énergie, mais bon. Il ne sert pas à grand chose quand on regarde la puissance de l'autre. Donc on va me brancher ça de cette façon. C'est bien comme ça. Sauf que
lequel on a absolument plus besoin d'énergie. Je sais pas s'il va arrêter de tourner lorsqu'il n'y aura plus besoin d'énergie. Ouais, il arrête de tourner. Enfin, il arrête pas de tourner, mais il arrête de faire du bruit en tout cas. Donc on en a déjà fait un, c'est pas mal. Alors maintenant, je disais, on va faire un autre truc comme ça. On va pas faire du mécanisme, on va plutôt rester sur comme l'autre, on a fait du thermal expansion. Voilà. Alors on avait fait le basique, on va faire lequel on peut faire. Est-ce que c'est cher celui-là? Non, c'est du copper. Listone truc. Alors que lui, après, il devient un peu plus cher. Ça demande de l'électrum et de l'électrum, je sais pas si on en a, si on en a 3. On va déjà faire un niveau 2 entre guillemets. Qui stocke 2 millions alors que c'était 400 000. C'est déjà pas mal. Alors on va faire un. Si on peut faire avec de l'Invar. Comment on fait de l'Invar? Avec de la poudre d'Invar qui se fait avec de l'Iron Dust et Ferrous. Bon, Ferrous on en a pas masse non plus, il me semble. Surtout qu'on en a plus en poudre. Ouais non, on va plutôt rester sur celui-là. Donc du copper, un harnais de... Ah bah si, on est obligé de le faire, d'accord. Bon, on va faire comme ça dans ce cas. Parce qu'on n'a pas trop le choix, donc là il en faut 4. Là il en faut 8. J'ai dit 8. On va les retransformer en poudre. J'ai changé l'animation. Ou c'est juste... Ah non, c'est juste qu'elle est buggée en fait. D'accord, l'animation. Ensuite, ça va faire de l'Invar Dust. Donc, il nous faut ça pour faire un. Energy Cell Frame. Après, il faut un Leadstone Energy Cell. Ou alors, attends. Attendez. Sinon on peut faire un Leadstone Energy Cell. Ah d'accord, il en faut. Oh, je sais pas si on fait ça. Est-ce qu'on améliore celui-là en comme ça? Je vous pose la question, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais. On va plutôt le rajouter en plus. Ce sera plutôt mieux comme ça. Bref, on a besoin dans tous les cas de ça. Donc on va se faire notre. Ah, ça les donne par. Ouais, bah ça nous en fera plein comme ça. On va le faire fondre. Hop. Comme ceci. Où est-ce qu'il a pompe l'énergie? C'est là-dessus. Oui, il la pompe là-dessus. Hop. Alors, faites-moi mon Invar. Et on va faire du coup. Celui-là. Déjà. Il faut du lead. Hop, lead ici. Alors, les frames. Du lead, bloc de redstone et du verre, d'accord. Un bloc de redstone, ainsi que le verre que je n'ai pas du tout. Donc on va chercher du sable. Plus loin. Voilà, voilà. Où est-ce que j'ai laissé du sable? Juste là. On va prendre pas mal, comme ça on en aura pour la prochaine fois. Et notre plein de sable. Au calme. Voilà. On va éviter de faire déborder la flotte. Non, ça va me faire chier. Voilà, 50, c'est bien. Allez. J'ai quelques petits chutes d'FPS hein, par moment. Pas trop gênant. Alors on a besoin de 4. Voilà, voilà. Alors. Il faut 4 verres. Dépêche-toi à fondre. Voilà, donc on fait notre énergie cell frame.
qu'on entoure d'Invar, ce qui nous donne un air de nez d'énergie self-frame qui va nous servir à nous faire notre arnène énergie cell. Donc il nous faut 3 copper et un électrum ingot pour faire un conducteur coil. Donc il nous faut ça, ça, 3 copper. Hop, top, 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 top. Et voilà. De quoi stocker davantage d'énergie. Ça, elle se rallume et nous remplit ce cube là. Alors on va bien le configurer là. Alors est-ce que c'est le truc du dessous? Ouais, on va ramener du coup quelques câbles. Bon, on en a plus. Ah si, on en a encore. Hop. Comme ça. Il va se remplir tranquillement. Du coup, l'électrum, non, l'invar. J'en ai pas mis dans le coffre. Non. Faut le mettre là. L'éolienne va tourner au calme, comme ça. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut envisager? Parce que j'ai pas encore prévu grand-chose à part ça. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Sur le moment. On peut faire les cubes comme ça aussi. Ça c'est contre en joue. Ouais. Ouais, bon, je préfère les leadstone, je les connais mieux. Là ça devient plus long à se remplir déjà. On va peut-être se faire déjà 2-3 éoliennes en plus. On va faire de l'éolienne intensif, entre guillemets. Donc il nous faut 5 comme ça déjà. Il nous en faut 5. 3 x 5, 15. Hop. Donc il nous en faut 15. Toc. Voilà. Ça va nous faire nos 15 machins. Ensuite, il nous faut 3 x 6, 18 or. Hop, faut que j'aille miner quand même pour avoir davantage de choses. Ensuite, après l'or, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 8, 16, et 8, 24. 25, 26, 27. Parfait. Et en osmium, il nous en faut 3 x 3, 9, 10, 11, 12. Qu'on essaie de se faire un atome bimique des assembleurs, c'est bien ça. Par contre, faut de l'obsidian dust qui se fait, ouais, avec de la poudre de diems. C'est du diems, on en a pas trouvé un seul. Ah, si, on en fait, on a trouvé qui ce genre. Si, on en a trouvé, mais bref, plus tard, parce que pour l'instant, ça coûte un petit peu cher. C'est parachute, ça. On pourra se faire des jetpacks aussi. C'est pas mal ça. Ça c'est du pour courir plus vite. Ah, il y a le jetpack de base et le armor de jetpack. Ça coûte un peu plus cher. C'est assez long finalement ce truc. Faire 3 de plus pour nos osmiums. C'est quoi ce truc? Robit. Un cauchemar.
pas trop renseigné non plus sur le mode, du coup je sais pas tout à quoi ça sert. J'essaierai de voir tout ça plus tard. Donc on continue avec ça du coup. Circuit, voilà, et maintenant normalement d'après mes calculs on a tout ce qu'il faut pour faire nos éoliennes. Hop. Et 3, voilà, parfait. Du coup on va comment on va disposer ça, on va un peu la changer de place elle. Ça se mine avec une pioche. Merci. Alors on va se recrafter des basiques universal cable. Hop. Basique universal cable. Oui, c'est du style. Et comment on fait du style déjà? Ah, il faut passer par le steel dust qu'on obtient. L'enriched iron, ok. 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup, il nous faut aussi pour faire, bien sûr. La poudre, il faut encore 4 charbons. D'accord. On va déjà disposer les éoliennes, je pense. Bon, quand il aura fini de faire son truc. Tiens, un laser. Pas quoi ça sert. Voilà. Alors on va les disposer une, deux, trois, quatre. C'est pas mal comme ça. Virer cet arbre également. Je sais pas si j'ai fait assez de câbles finalement. C'était les restos. C'est pas ça. Ah oui, c'est pas la poudre, faut d'abord faire cuire la poudre. N'importe quoi. La poudre, faut la faire cuire. Bon, ça va produire plus maintenant, ça va être pas mal. Et là, on pourra. Ah ouais, directement on pourra, si on fabrique un jetpack ou un disatomique machin assembleur, on pourra directement le mettre là pour le recharger, il me semble. Hop, ça fait 16. Bon, ça devrait suffire, je pense. De faire un truc propre. Voilà. C'est parfait. Par contre, ça fait du bruit ce machin. Mais... Bon, au moins, ça produit pas mal de
J'ai toujours envie de dire électricité, enfin je le dis d'ailleurs, mais c'est pas vraiment de l'électricité, enfin des RF, redstone flux, voilà. Péter ça. Du coup, on a une source d'électricité à peu près fiable maintenant. Est-ce qu'ils vont se péter, eux? Je suis pas sûr qu'ils vont se péter tout seuls, ils n'ont pas l'air de s'enlever. Tab. Enfin, vous voyez quand je pointe un truc, ça écrit ce que c'est, et quand j'appuie sur tab, ça disparaît. C'est marrant. Bref. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, alors je vais voir le son quand même, parce que là c'est un peu fort. Je sais pas c'est dans quoi qui compte. Peut-être dans Friendly Creature. Alors, ça fait ça. Non, c'est pas ça du tout. Ambiante, environnement. Pas du tout. C'est peut-être pas écrit là-dedans. Enfin, c'est peut-être pas compté. Je suis pas sûr. C'est pas jukebox, non. Bon, on peut pas enlever les bruits. C'est pas trop grave. Du moment que ça produit de l'électricité, que ça fasse du bruit, c'est pas trop grave. Alors, maintenant qu'on a nos énergies cells. Enfin, nous, on a notre électricité. On va pouvoir faire commencer à faire des trucs plus intéressants. Je sais pas, ça fait combien de temps que la vidéo est commencée. Bon, je pense que ça doit être bon là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et on se dit salut à tous et à la prochaine. Bisous, bisous.